Donc le sujet du jour, il est autour de Surat al-Shu'ara. Donc c'est une des Surat mécoises du Coran. Et donc on ne va pas avoir le temps eh bien, de méditer et de lire et de comprendre toute Surat al-Shu'ara, mais on va en prendre juste certains passages, en particulier sur les deux premières pages de la Surat. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif de la conférence, il est triple en vrai. Donc je me suis fixé un petit défi avec vous, Inch'Allah. J'espère qu'on va réussir à le tenir. Cette sourate-là, elle est spéciale parce qu'en vérité, elle vient à un moment spécial de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on va en reparler dans deux secondes. Elle arrive au moment où la da'wa dite secrète ou individuelle se termine et la da'wa publique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, démarre. Donc c'est une sourate qui, en vérité, est très connectée à la sira et à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier objectif qu'on va essayer d'atteindre avec cette sourate, eh bien, c'est de nous remémorer certains éléments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce que Allah eh bien, l'accompagne dans ces différents moments de sa vie, lui et les compagnons. Le deuxième objectif qu'on se fixe, eh bien, c'est de le faire à travers le Coran. Parce qu'on pourrait discuter de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vous racontant les diverses histoires, en allant ressortir les différents hadiths qui nous parlent de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, ce que les compagnons ont vécu. Mais là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une autre approche, c'est d'essayer de nous imaginer qu'on vit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous sommes des compagnons et que le Coran nous est révélé. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qu'on ne fait pas souvent. On ne se met pas souvent dans la peau des compagnons. Et quand on se met dans la peau des compagnons, on se dit, mais pourquoi à ce moment-là de ma vie, Allah m'envoie Surat al-Shu'ara? Et du coup, on a une autre connexion avec le Coran. On a l'habitude de lire le Coran, de le réciter, de le méditer, pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés vers cette très belle adoration. Mais il y a encore autre chose, c'est de se mettre dans la peau des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'imaginer que chaque vie, je vis des scènes, je vis des moments, je vis des épreuves, je fais des projets, j'ai une mission et Allah m'envoie une sourate. Sauf que les sourates qu'Allah nous envoie, eh bien, ne sont pas juste des questions-réponses. Quand on discute avec Allah et qu'on discute avec le Coran, c'est pas comme qu'on discute avec un avocat ou un juriste, j'aimerais avoir telle réponse et j'ai une question à ça, ou que je discute avec mon médecin et qu'il répond exactement. C'est juste des questions, des réponses. Allah leur envoie les réponses avant même qu'ils ne posent les questions. Parce que Allah leur envoie de la guidance, il leur envoie de la lumière, il leur envoie un livre qui va les accompagner pendant 20 ans ou 23 ans de da'wah et qui donc doit les éduquer. Donc on a dit le premier objectif, c'est se replonger dans certains événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième objectif, eh bien, c'est de méditer le Coran, de méditer le début de Surat al-Shu'ara comme si nous étions des compagnons qui recevaient cette sourate à ce moment-là. Et le troisième et dernier objectif de la conférence, eh bien, c'est qu'on puisse transposer certaines des leçons que eux ont reçues à nous aujourd'hui en 2023. Parce que le Coran, il est miraculeux. Le Coran est tellement miraculeux eh bien, qu'il donne de la guidance aux compagnons et aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam en répondant aux besoins qu'ils ont dans leur contexte précis. Donc le Coran est très ciblé et il arrive à donner des réponses aux compagnons pour leurs problèmes à eux. Mais le Coran arrive à avoir ce prisme universel qui fait que non seulement il répond à leurs problématiques à eux, mais qu'il est capable de répondre aux problématiques de l'humanité tout entière jusqu'au jour du jugement. Subhanallah. Et le Coran est le seul livre miraculeux qui est capable de faire ça. Donc on doit aussi prendre ce prisme-là et se dire, nous musulmans, en France, en 2023, comment est-ce qu'on peut en tirer quelques leçons? Donc je vous ai dit, cette sourate, elle est révélée, donc on va aller à la fin de la sourate, juste avant de revenir au début.
Et en vérité, comme vous le savez certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné au début avec surat al-Muddathir de commencer la da'wah et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala « Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa anzir » Donc Allah lui demande de se lever et de commencer à prévenir les gens de ce que Allah lui a révélé du paradis et de l'enfer, de l'existence du créateur des cieux et de la terre. Sauf que lorsque Allah donne cet ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui donne pas de méthodologie spécifique à suivre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait, et ce que chacun d'entre nous aurait certainement fait naturellement, eh bien, c'est qu'il va faire, comme on dit de nos jours, du one-to-one. C'est-à-dire qu'il va aller voir des personnes et discuter un à un avec elles, de manière individuelle, pour leur présenter l'islam, leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et essayer de guider leur cœur vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que beaucoup de livres ont appelé les 3 années de da'wah secrète, mais beaucoup de savants disent qu'il y a une erreur dans ce mot, parce que nulle part dans le Coran ni nulle part dans la Sirah, Allah parle de da'wah secrète. Ce n'était pas une secte, ce n'était pas « il faut qu'on reste entre nous sans que les autres le sachent », non, c'était une da'wah individuelle. C'est-à-dire que le prophète sallam allait voir des gens, un à un, et leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah ne lui avait pas donné l'ordre, comme a dit Farid tout à l'heure, d'utiliser les grands moyens de communication. Allah ne lui a pas dit « tu peux utiliser les réseaux sociaux, tu peux aller sur YouTube, tu peux utiliser des journaux, des médias, la télé, Facebook ». Il ne lui a pas donné cet ordre-là pour le moment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de manière individuelle. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui renvoie sourate Ash-Shu'ara. Et dans sourate Ash-Shu'ara, à la fin, si vous lisez, Allah lui dit فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Les savants nous disent que ce verset de sourate Ash-Shu'ara, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, est le verset par lequel Allah lui a donné l'ordre de commencer à utiliser de la communication de masse. À pas uniquement parler d'Allah à une personne par une personne, mais d'appeler les gens de manière générale, de manière publique. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son moyen de communication massif à l'époque, c'était de convoquer tout Quraysh, de convoquer sa famille, de convoquer les gens qu'il pouvait, de monter sur cette montagne qui est As-Safa et d'expliquer aux gens ce qu'il se passe. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont passés dans un autre mode de communication et de da'wah publique. Et c'est à ce moment-là que sourate Ash-Shu'ara, eh bien, commence à nous donner des leçons. Allah, dans sourate Ash-Shu'ara, si vous lisez le début, eh bien, il lui parle de Sayyidina Moussa. Et là, on est dans la Sira. Vous êtes à la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes à la place des compagnons, radiallahu anhum. Vous vous mettez dans leur peau et Allah vous révèle une sourate qui vous parle de Sayyidina Moussa. Nous, aujourd'hui, parce qu'on ne médite pas le Coran, on peut se dire, mais pourquoi Allah nous parle de Sayyidina Moussa? C'est quoi cette histoire? Allah nous demande de faire la da'wah publique et ensuite il vient me raconter des histoires avec Pharaon, avec des sorciers, avec je ne sais quoi. Ça, c'est nous, c'est les gens qui ne méditent pas le Coran. Maintenant, si on se met dans la peau de ceux qui méditent le Coran et des compagnons, regardez ce que Allah leur dit.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. الله lui dit وإذ نادى ربك. Et les savants nous disent lorsque Allah dit وإذ, ça veut dire وذكر. Et rappelle-toi, يا رسول الله. Rappelez-vous les compagnons. Vous n'êtes pas les premiers à faire de la da'wa. Vous n'êtes pas les premiers à appeler des gens comme Abu Jahl, comme Abu Lahab, des gens qui sont dangereux, des gens qui sont têtus, des gens qui sont violents, des gens qui sont colériques, à Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que Moussa, alayhi salam, a vécu ça avant vous. Moussa, alayhi salam, a vécu ça avant toi, ya Rasulallah. Tu es sur le chemin des messagers qui t'ont précédé. Tu es le sceau des messagers, tu es le dernier des messagers, ya Rasulallah. Et qu'est-ce que Moussa a vécu lorsque Allah lui a donné cet ordre ? قال ربي إني أخاف أن يكذبون. Ya Allah, j'ai peur qu'ils me traitent de menteur. Et qu'est-ce que j'ai peur aussi ? J'ai peur qu'ils me tuent. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. Et puis qu'est-ce que j'ai peur aussi ? ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. J'ai la poitrine serrée, je suis stressé, je suis anxieux. Et Sayyidina Moussa ne parlait pas de manière fluide. Sayyidina Moussa bégayait. Je bégaye, ya Allah. Alors je ne sais pas comment faire pour communiquer avec eux, pour transmettre ma parole, pour transmettre ta parole, ya Allah. Fa'arsil ila Harun. Alors fais que Harun soit un messager avec moi, pour que lui aussi il ait la révélation et qu'il puisse m'accompagner et qu'il puisse m'aider si jamais je bug à un moment. Et donc Sayyidina Moussa, eh bien, est dans une situation de stress et de crainte. Et lorsque vous vous mettez dans la peau du compagnon, eh bien les compagnons et le professeur Salam étaient dans la même situation. Parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Parce qu'ils avaient peur de ce qui allait se passer. Parce que certains avaient des parents qui déjà ne voulaient pas entendre parler d'islam. Il y a certains compagnons qui tous cachaient leur islam. Et lorsqu'ils rentraient à la maison, on insultait le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On menaçait les musulmans. Et eux-mêmes sont musulmans et le cachent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit la révélation, il a peur pour lui. Il a peur d'être en train de devenir fou. Parce qu'il voit Jibril pour la première fois. Parce qu'il reçoit Al-Wahi pour la première fois. Comme Sayyidina Moussa a été effrayé lorsque Allah lui a envoyé ses signes pour la première fois et qu'il a vu son bâton se transformer en serpent pour la première fois. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا. Il a eu peur, Sayyidina Moussa. Et donc là, le message, la première leçon de cette histoire, que Allah envoie à son messager, à ses compagnons et qu'il nous envoie à nous, c'est قال لا تخافا. Dans sourate Taha, il dit إني معكما أسمع وأرى. Et là il leur dit quelque chose de similaire. Il leur dit كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون. La première leçon, mes frères et sœurs, ce sont des leçons de vie qu'on va essayer d'extraire de cette sourate. Quels que soient tes projets, quelle que soit ta mission sur terre. Là, on parle du prophète sallam qui fait de la da'wa. On parle de Sayyidina Moussa qui fait de la da'wa. Certains d'entre nous font de la da'wa et appellent à Allah. Mais certains d'entre nous, aujourd'hui, leur souci, leur projet, c'est de trouver un travail. Ou c'est leur projet associatif. Ou c'est leur projet professionnel. Ou c'est leur famille. Ou c'est leurs enfants. Ou c'est leur santé. Quel que soit votre projet, n'ayez pas peur. Quel que soit votre projet, sachez que Allah est à vos côtés. Est à vos côtés. Il lui dit Inni ma'akuma. Qala la takhafa. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je suis le plus fort du monde? Parce que je suis très intelligent? Parce que j'ai un super portefeuille? J'ai un business en béton? Parce que j'ai le meilleur CV qui soit? Parce que j'ai fait la meilleure école qui soit? Parce que je suis super musclé? Non. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de développement personnel et de confiance en soi et de confiance en soi et de confiance en soi. Il faut faire attention à ce que la confiance en soi ne gonfle pas l'ego.
La confiance en soi, j'ai confiance dans ce que Allah m'a donné comme compétence, c'est bien. La confiance, je suis le meilleur du monde, c'est grave. Parce que Allah dit, Inni ma'akuma, je suis avec vous. Nous avons confiance dans ce que nous allons faire parce que nous avons la certitude que Allah est à nos côtés. Je n'ai pas peur parce que je sais que Allah entend. Je n'ai pas peur parce que je sais que Allah voit. Je n'ai pas besoin de me confier parce que je sais que Allah sait tout ce qu'il se passe. Alors j'y vais et je suis confiant. Ça, c'est la première des leçons que je m'invite moi-même et chacun d'entre nous à retenir dans chacun de nos projets, incha'Allah ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Sayyidina Moussa va voir Fir'aoun et commence à lui parler. Et il y a une discussion entre eux et Fir'aoun essaye de le déstabiliser un petit peu en lui disant « Mais c'est moi qui t'ai élevé, entre guillemets tu m'es redevable. » Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers arguments qu'on lui a donnés c'est « Attention, tu fais partie de Quraysh, tu fais partie des Banu Hashim. » Ton oncle, c'est Abdul Muttalib, Abu Talib. Ton grand-père, c'est Abdul Muttalib. Tu fais partie d'une lignée noble. Alors tu ne peux pas renier tes ancêtres. Tu ne peux pas renier celui qui t'a éduqué. Tu ne peux pas renier celui qui t'a donné à manger et à boire. Et subhanallah, regardez, Allah leur envoie ce message. Le prophète n'a pas encore vécu ça. Cette sourate est une sourate prémonitoire. C'est une sourate qui donne le futur au prophète sallam. « Ya Rasulallah, ils vont évoquer avec toi des négociations sur la noblesse et tu leur es redevable. » Et ensuite, lorsque Fir'aoun voit que ça ne marche pas, il dit « Bah, alors raconte-moi ce que tu as à me dire. »« Qala Fir'aounu wa ma rabbul alamin. » Donc Sayyidina Moussa est en train de l'appeler à croire au Seigneur de l'humanité tout entière, au Seigneur, au Créateur des cieux et de la terre. Et donc Fir'aoun lui dit « Wa ma rabbul alamin » C'est quoi cette histoire? C'est quoi soi-disant le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre? Dis-moi ce que c'est. On commence à discuter. Et là on arrive dans une deuxième partie. Sayyidina Moussa lui dit donc قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب Fir'aoun lui dit, mais dis-moi ce que c'est que Rabbul Alamin. Et Sayyidina Moussa lui répond, قال رب السماوات والأرض وما بينهما. Tu me demandes ce que c'est que Allah. Allah est le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Rabbul السماوات والأرض وما بينهما. Et tout ce qu'il y a entre les deux. إن كنتم موقنين. Si seulement vous aviez cette conviction, cette certitude. Et là, Fir'aoun réagit comment? Il réagit avec de la moquerie. Il dit aux gens autour de lui, « Ala tastami'un, vous entendez ce qu'il raconte ?» Autrement dit, il raconte n'importe quoi cet homme. Et Sayyidina Moussa lui dit ensuite, « Qala rabbul mashriqi wal maghrib. » Et Sayyidina Moussa continue de l'appeler. Et là, qu'est-ce que dit Fir'aoun? Inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Il continue de se moquer, mais il va un cran plus loin, il insulte Sayyidina Moussa. Il se moque en disant votre messager, lui ne croit pas que Moussa est un messager. Donc il parle à son assemblée, vous imaginez la tribune de Fir'aoun. Des dizaines de centaines d'ambassadeurs, de ministres de Fir'aoun qui sont là en train de l'écouter. Et il dit bon alors vous là qui êtes là,
ben voilà votre messager, soi-disant. Et votre messager, c'est juste un fou. C'est un fou. Regardez ce qu'il raconte, ce fou. Et là, on se remet dans la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Qu'est-ce que le Coran est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, on va se moquer de vous. Il est en train de leur dire, la da'wah ne va pas être facile. Il est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va te traiter de fou comme on a traité Moussa de fou. Il ne l'a pas encore vécu, mais le Coran le prépare. Et quelques temps après, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils disent Majnoun, c'est un fou. Ils disent Sahr, c'est un magicien. Ils disent Kahin, c'est un sorcier. Ils disent Sha'ir, c'est un poète. Ils disent Kazzab, c'est un menteur. Le Coran est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, vous allez être attaqués dans vos propres personnes et dans votre dignité et dans ce que vous êtes. Celui que Quraysh appelait As-Sadiq al-Amin, celui que l'humanité tout entière a reconnu comme étant le meilleur homme, celui qui est à la khuluqin azim, celui qui a le plus noble comportement qu'un homme puisse avoir, la meilleure des personnalités sur terre, et bien ce même homme là on va le calomnier et le traiter de menteur, de fou et de magicien. Prépare-toi ya Rasulallah, préparez-vous les compagnons sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Et donc la leçon que nous on doit retenir de ce passage là c'est que la vie est faite d'épreuves. Première leçon, on a dit quel que soit mon projet, je me lance et Allah est à mes côtés. N'aie pas peur, je suis avec toi, j'entends et je vois tout ce qui se passe. Allah est avec moi. Quel que soit mon projet, quels que soient mes soucis, quelles que soient mes ambitions, je me lance avec Allah à mes côtés et je mets ma confiance en lui. Deuxième élément, je sais que ça ne va pas être facile. Parce que Allah a souhaité que cette vie soit une vie d'épreuve. Vous les musulmans, si vous voulez gagner le paradis, sachez qu'il faut œuvrer ici. Sachez qu'il faut être éprouvé ici. Sachez qu'il faut démontrer ici votre foi. Ahasiban nas, est-ce que les gens ont cru sincèrement que Allah allait vous laisser dire nous avons la foi, nous allons gagner le paradis wahum la yuftanun, sans qu'il y ait une épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir le bac sans passer d'épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un master sans passer d'épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui on peut devenir docteur sans passer d'épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire je suis ingénieur sans montrer son diplôme? Est-ce qu'aujourd'hui on peut être imam sans avoir de la science et du savoir? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être croyant et mériter le paradis sans rien faire? Non. Cette vie est une vie d'épreuve. Alors préparez-vous. Allah a envoyé ce message à son messager pour qu'il se prépare et aux compagnons pour qu'ils se préparent. Préparez-vous à vivre les épreuves. Et ce qui est magnifique avec le Coran et avec la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah, toujours, il énonce le problème et il donne la solution. Pourquoi? Parce que ce livre est Hudan lil Muttaqin. C'est une lumière et une guidance. Allah ne nous laisse jamais sans solution. Il nous dit voilà le souci, voilà le problème, voilà le challenge et voilà comment s'en sortir. Et regardez ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah lui dit, je sais que ça te fait mal au cœur. Vous imaginez le meilleur homme que l'histoire ait connu? Vous imaginez l'homme
qu'Allah appelle Rahma lil Alamin. Cet homme est une miséricorde. Cet homme est amour pour l'humanité tout entière. Cet homme est l'homme qui aime le plus l'humanité tout entière sur terre. Il n'y a personne sur terre qui aime plus les humains que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne sur terre qui souhaite leur bien plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme-là, il doit subir des insultes. Il doit subir le fait qu'on accuse sa dignité, qu'on dise que c'est quelqu'un de malhonnête, de menteur, de sorcier, de magicien, de fou. Et Allah lui dit, je sais que ton cœur est touché par ça. Parce que c'est un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah sait que lorsque les épreuves tombent, nous ne sommes pas de marbre. Il sait que les cœurs se serrent. Il sait que la tristesse vient. Il sait qu'il y a de la dépression. Il sait qu'il y a des larmes. Il sait qu'il y a du stress. Il sait qu'il y a de l'anxiété. Alors qu'est-ce qu'il lui dit ? Fasabbih bihamdi rabbik. Fais du zikr. Dis subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Répète ces paroles. Wallahi, tu sentiras l'apaisement descendre sur ton cœur. Wallahi, ton cœur qui est triste verra de la lumière. Oui, il y aura de la tristesse. Oui, il y aura des larmes. Mais il y aura de la clairvoyance. Il y aura de la lumière. Il y aura de l'apaisement. Il y aura de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura que je ne me sentirai pas seul. Je sentirai qu'Allah est à mes côtés. Wa kum min as-sajidin. Prosterne-toi. Le sujoud guérit les cœurs. Le sujoud apaise les cœurs. Les prières de nuit apaisent les cœurs. Alors lorsque tu as un problème, lève-toi la nuit et prie. Lorsque tu as un problème, isole-toi et rappelle-toi des paroles de zikr. Dis subhanallah, dis alhamdulillah, dis la ilaha illallah. Et tu verras que ton cœur, au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de prière ou de sujoud ou de zikr, eh bien sera plus apaisé. Donc la sagesse est la leçon numéro 2 de cette histoire. Oui, il y aura des épreuves. Mais Allah nous a dit comment cheminer dans les épreuves. Donc, ô vous les compagnons, ô toi et Rasulallah, et ô vous les musulmans de France de 2023, préparez vos cœurs à vivre les épreuves. Parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuves. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Pharaon continue d'argumenter. Et continue de se moquer. Et là, Sayyidina Moussa lui dit أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ. Alors oui, ok, tu ne veux pas croire que Allah est Rabbul Alamin. Tu ne veux pas croire qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Tu ne veux pas croire qu'il y a une autre divinité sur terre que toi et à Pharaon. Parce que Pharaon, son délire dans sa tête, c'est que c'est lui Dieu. Tu ne veux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Alors est-ce que tu ne veux pas que je te démontre qu'il y a un créateur, que je te donne un signe miraculeux, une preuve évidente? Et là Sayyidina Moussa lui montre les signes qu'Allah lui a donnés, avec le bâton, avec la lumière. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de l'histoire de Sayyidina Moussa, mais il lui démontre qu'il y a quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce que Pharaon fait? Il dit, ceci est de la sorcellerie, c'est de la magie. Et là, on revient encore une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons. Les croyants montrent que Allah existe avec le Coran. Et Sayyidina Moussa, il a deux outils. Il a sa parole, sa révélation, ce que Allah lui a appris. Et il a les outils miraculeux, les signes miraculeux que Allah lui a donnés. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait deux en un. Parce que sa parole est son miracle. Le Coran est la parole d'Allah,
et le Coran est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les gens croient en Allah juste avec la parole, que juste lorsqu'on leur récite leur Coran, ils comprennent que ça, ce n'est pas la parole d'un être humain, que c'est la parole du créateur des cieux et de la terre. Et Pharaon, lorsqu'il voit les signes miraculeux, il dit mais c'est forcément de la magie. Et au début, les gens de Quraysh, c'est pareil. Il est fou, c'est de la poésie, il nous raconte des histoires. Mais lorsqu'il voit que les gens commencent à rentrer en islam, ils disent ah non, là c'est pas de la folie. Là, c'est pas de la poésie. Là, ça peut pas être juste des comptines qu'il nous raconte. S'il est capable de convaincre des gens de le suivre, la seule option qui nous reste, c'est que c'est un magicien. Et là, Pharaon et les gens de Quraysh passent dans un autre mode. Nous allons combattre avec, sur son terrain. Le terrain de Sayyidina Moussa, c'est quoi? C'est soi-disant de la sorcellerie. Alors on va appeler des sorciers. Le terrain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le Coran. C'est de la parole. Alors qu'est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, Quraysh, eh bien, commence à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en attaquant non plus lui-même. Au début, il y a deux moyens de discréditer une personne. Le travail d'une personne. Soit vous discrétisez la personne, vous décrédibilisez la personne elle-même, d'accord? Donc vous dites lui, il est nul, il est fou, il n'est pas compétent. Là, on discrédite la personne. Soit vous attaquez son travail. Regardez, c'est pas sérieux, c'est pas juste, c'est faux, c'est rempli de fautes d'orthographe, il ne sait pas parler. Ce sont les deux moyens pour décrédibiliser quelqu'un. Au début, ils ont essayé de décrédibiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa personne. Ça n'a pas marché. Deuxième stratégie, on va décrédibiliser le Coran. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire asatir al-awwalin. Oh, ce sont juste des histoires qu'ils nous racontent. Ils vont dire innama yu'allimuhu bashar. Il apprend ça des juifs et des chrétiens, ce sont eux qui lui transmettent la Torah et les évangiles et ils les transforment pour faire du Coran. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire bah, si c'est vraiment miraculeux, ramène-nous des anges. On veut voir les anges. Si tu nous ramènes des anges, on va croire en toi. Et Allah il dit même si on leur ramenait des anges, ils ne croiraient pas. Qu'est-ce qu'ils demandent d'autre? Alors, on veut que le Coran, plutôt que ce soit toi qui nous le dise, qui descende des cieux comme ça. On veut un livre qui descend du ciel comme ça, et puis on va le mettre sur la place de la ville, et ce sera notre miracle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent la crédibilité du Coran lui-même. Ils vont aller voir les enfants d'Israël avec Sourate Al-Kahf en essayant d'attaquer sur Jésus. Ils vont essayer d'attaquer. Et là, ils attaquent avec les moyens du bord. Et que fait Sayyidina Moussa et que fait le prophète sallam? Allah lui dit وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Réponds-leur avec le Coran. Combat-les avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Continue de prêcher ce que tu as à dire et tu verras les effets. La leçon qu'on peut en tirer pour nous, musulmans, en France, en 2023, c'est quoi? C'est le fait de donner tout ce qu'on a, de se retrousser les manches et de montrer le meilleur qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ton projet, quelle que soit ta da'wah, fais-la du mieux que tu peux. Allah dit à son messager وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Al-ihsan, la meilleure des manières, le meilleur des moyens, la meilleure des paroles, le meilleur des outils, le meilleur des travaux, le plus sérieux des hommes. Sayyidina Moussa, il ne lâche rien. C'est pas pour rien que cette sourate s'appelle sourate Ash-Shu'ara. Comme l'a dit Farid tout à l'heure, c'était les moyens de communication de l'époque. Et Allah envoie au prophète sallam une sourate qui lui apprend la communication, qui lui apprend l'argumentation, qui lui apprend comment répondre aux questions de Pharaon. À chaque question de Pharaon, il y a une réponse adéquate et précise pour appeler cet homme à comprendre
Et Sayyidina Moussa, il ne fait pas ça n'importe comment, il fait ça de la meilleure des manières et il ne lâche rien. Donc mes frères et sœurs, quels que soient nos projets, ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Retroussez les manches, vos manches. Nous sommes la Ummah de l'Ihsan. Nous sommes la Ummah qui est censée viser d'être des Muhsinin. Al-Ihsan an ta'abud Allah ka'annaka tara. C'est que tu agisses comme si Allah était devant tes yeux et que tu le voyais. Est-ce qu'il y a une meilleure manière d'agir que d'agir en s'imaginant que Allah est en train de me regarder? Donnez le meilleur de vous-même. Et lorsque vous agissez, sachez que s'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, eh bien ce n'est pas un problème. Le musulman, le croyant, continue d'être croyant. Celui qui est bon continue d'être bon. Celui qui est bienfaisant continue d'être bienfaisant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rendez compte qu'il est en train d'appeler à Allah des gens qui l'insultent. Vous vous rendez compte? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de les appeler avec amour et avec miséricorde et avec bonté et avec gentillesse et avec le sourire et avec la patience et avec la discussion. Jamais il ne s'énerve, jamais il ne les insulte en retour, jamais il ne dit « j'en ai marre d'eux, je m'en vais, que vous puissiez tous pourrir en enfer ». Jamais le prophète sallam n'a prononcé une parole telle que celle-là. Pourquoi? Parce qu'il veut leur bien. Parce que ceux qui en surface sont ses ennemis, en fait sont ses amis. Allah nous dit dans le Coran, فَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ça, ce sont des versets qui ont été révélés dans le cadre de la da'wah. Tu appelles quelqu'un à Allah, même si c'est ton pire ennemi, tu mets ça de côté et tu fais comme si c'était ton meilleur ami. Parce que le prophète sallam, il les aime. Et vu qu'il les aime, il veut leur bien. Même si toi tu veux mon mal, même si toi tu me détestes, même si toi tu m'insultes, eh bien moi je t'aime. Et moi je veux ton bien. Donc je répète un petit peu les leçons pour qu'on n'oublie pas. Première leçon, première sagesse, c'était quoi? Quelqu'un s'en rappelle? On se lance dans un projet, on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ne craignez rien, Allah est à vos côtés. Allah est avec vous, quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie. Deuxième élément, le frère l'a dit, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Alors préparez-vous à vivre les difficultés et armez-vous avec le zikr. Avec l'évocation d'Allah et avec la prosternation, ce seront vos meilleurs outils, vos meilleurs médicaments pour les jours d'épreuve et pour les jours de difficulté. Troisième élément, je donne le meilleur de moi-même. Et je le fais avec amour et miséricorde. Et je le fais avec bon comportement. Et même si les gens qui sont en face de moi me traitent de fou, alors je continue d'agir avec amour et avec miséricorde pour eux. Parce que je ne suis pas leur ennemi, je ne veux pas du mal pour eux, je veux du bien pour eux. Alors je supporte leur mal à eux pour leur bien à eux. Ça, c'est le comportement du musulman. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais accélérer un petit peu. Eh bien, Pharaon envoie les sorciers qui vont faire ce combat de sorcellerie, soi-disant, entre guillemets, avec Sayyidina Moussa. Sauf que leur sorcellerie à eux n'est pas de la sorcellerie. Ce sont des illusionnistes. Parce que le Coran nous dit Saharu a'yun an-nas. Ils sont incapables de transformer un bâton en serpent. Mais ils sont capables de faire des tours de magie, comme les magiciens qu'on voit à la télé, qui font de l'illusion. Des tours de passe-passe, et vous avez l'impression de voir quelque chose, mais en vérité, c'est juste une illusion d'optique. Ils n'ont aucun pouvoir de transformer quoi que ce soit en quoi que ce soit. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de transformer un bâton en un serpent. Celui qui dit « moi j'ai vu de la sorcellerie, des gens qui transforment des trucs en des trucs », c'est un menteur. Personne à part Allah subhanahu wa ta'ala ne peut transformer quelque chose en quelque chose d'autre.
En revanche, des gens qui arnaquent les autres, qui leur font croire qu'eux, qui font de l'illusion et qui vous donnent l'impression de voir ce que vous ne voyez pas, comme quelqu'un qui vous fait un tour de passe-passe ou un tour de carte, ça, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Sauf que ce qui se passe là, il se passe un miracle. C'est que les sorciers ont compris que eux n'avaient aucun pouvoir et que ce que Sayyidina Moussa venait de faire, il n'y a que Allah qui est capable de le faire. Eux savent, les gens croient que ce sont des sorciers, mais le sorcier, lui, il sait que c'est un arnaqueur. Le sorcier, lui, il sait que c'est un illusionniste. Alors quand le sorcier voit un prophète faire quelque chose de miraculeux, il sait reconnaître l'empreinte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les sorciers se prosternent et disent qu'ils s'en remettent à Allah et qu'ils croient à Allah avec Moussa alayhi salam. Allahu Akbar. Quel message Allah est en train d'envoyer à son messager? On se remet dans la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui reçoivent cette sourate 3 ans après le début de la da'wah. Allah est en train de leur dire: il peut faire des miracles. Ça, c'est la 4e leçon. Vous avez placé votre confiance en Allah, vous êtes préparé à endurer les épreuves, vous avez retroussé les manches pour donner le meilleur de vous-même. Alors là, maintenant, laissez Allah faire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait l'ihsan. Tu as retroussé tes manches. Laisse Allah faire. Et regarde comment Al-Fattah, celui qui est capable, qui a les clés de l'invisible, qui a les clés de tout ce qu'il se passe dans les cieux et dans la terre, est capable de t'envoyer des résultats que ni toi, ni moi, ni personne sur terre ne peut imaginer. Il va faire la da'wa à Fir'aoun. Et ce sont les sorciers qui rentrent en islam. Subhanallah. Il est en train de lui dire: même tes pires ennemis, même ceux qui se sont mis en face de toi pour te combattre, les sorciers étaient en face de toi pour te combattre, même eux, ils peuvent rejoindre ton rang et croire en Allah. Subhanallah. Et regardez, 2 ans plus tard, l'année 5 ou l'année 6, après la révélation, qui rentre en islam? Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était très très dur avec le prophète sallam, qui était copain avec Abu Jahl et Abu Lahab et les autres, qui se réunissait avec eux pour faire des stratégies contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était convaincu à 100% que cet homme-là, il fallait s'en débarrasser, et qui, avec sa personnalité, était prêt à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar est parti pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur son chemin pour tuer le messager de Dieu, il devient croyant. La ilaha illallah. Qui, à part Al-Fattah, qui, à part Allah, qui, à part Al-Alim, qui, à part Al-Hadi, est capable de guider le cœur de Omar vers ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la 4e leçon, c'est que une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, ayez confiance en Allah et sachez que Allah n'a pas les mêmes calculs que vous et moi. Sachez que Allah est capable de vous ouvrir des portes que nulle personne ne connaît. Allah est celui qui a donné des enfants à Sayyidina Ibrahim en lui disant: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, alors qu'il avait 80 ans, 90 ans. Allah est celui qui a sorti Sayyidina Yunus du ventre de la baleine. Allah est celui qui a donné à Sayyidina Sulaiman le pouvoir qui n'existe pas aujourd'hui, un royaume que personne ne peut maîtriser aujourd'hui, qui contrôlait le vent, qui parlait aux animaux. Allah est celui qui guide les cœurs des croyants et qui maîtrise les cœurs de l'humanité tout entière et qui a le pouvoir. Allah est celui qui est capable de retourner le cœur d'une personne du jour au lendemain. Même les pires ennemis que tu as,
même les gens qui te détestent, même les gens qui détestent l'islam. Wallahi, on voit même des gens qui sont FN, on voit des gens même dans d'autres pays d'Europe qui ont attaqué l'islam, qui voulaient détruire cette religion et qui un jour deviennent musulmans. Allahu Akbar. Subhanallah. Vous et moi, on n'a rien à gagner là-dedans. Vous et moi, on n'a rien à se louer là-dedans. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Mais Allah nous apprend qu'il peut ouvrir des portes inimaginables. Donc, quels que soient vos projets, sachez que Allah peut vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. J'en fais une dernière et je m'arrête là, Inch'Allah. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça monte au cerveau de Pharaon. Et là, il passe en mode, je vais torturer tout le monde. La usal libannakum. Je vais vous crucifier. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Je vais vous couper les mains, je vais vous couper les jambes. Pharaon, c'est un fou. C'est un tyran qui n'a aucun problème à tuer des enfants. Il n'a aucun problème à tuer des enfants, des nouveau-nés. C'est un fou dans sa tête. Et le problème, les gens de Quraysh vont être pareils. Si on se remet dans la peau du professeur Salam et des compagnons, c'est le même scénario. Au début, on se moque de lui, on n'y accorde pas d'importance, il raconte n'importe quoi, on rigole du professeur Salam. Ensuite, on commence à prendre ça au sérieux. Ses paroles ont l'air un peu quand même bizarres. C'est un fou. Ensuite, on voit que là, les gens commencent à croire en lui et le suivre. Ah non, c'est un magicien. Là, c'est bizarre. Ensuite, on voit que ça touche à leurs intérêts. Alors, on négocie. On négocie. Tu adores notre Dieu un jour, ton Dieu un jour. On fait du business avec toi. Mais ensuite, ils comprennent que ce n'est pas du business. Et ensuite, le pire du pire du pire, c'est quand leurs propres alliés deviennent musulmans. Là, ils deviennent fous. Là, ils voient que c'est en train d'échapper de leurs mains. Et quand on devient fou, les gens qui s'énervent et qui sont violents, très souvent, ce sont des gens qui perdent le contrôle. Les gens qui deviennent violents sont des gens qui perdent le contrôle. Rares sont les gens qui sont violents par nature, comme ça, gratuitement. En revanche, beaucoup de gens ne contrôlent pas leur nafs, ne contrôlent pas leurs émotions, et quand leurs émotions les submergent et qu'ils n'ont plus de solution et qu'ils perdent le contrôle, c'est là qu'ils deviennent méchants et c'est là qu'ils deviennent violents. Et là, Pharaon, lorsqu'il voit les sorciers croire en Sayyidina Moussa, il perd le contrôle. Comme Umayya ibn Khalaf, lorsqu'il voit Bilal devenir musulman, et qu'il voit que même la négociation ne marche pas, même les menaces ne marchent pas, et qu'un esclave noir est libre et revendique d'être un être humain comme les blancs et comme les autres, ce que l'islam a permis il y a 1400 ans, eh bien lui devient fou. Parce qu'il perd le contrôle même sur la chose la plus insignifiante pour lui dans sa culture qui est son esclave. Perdre le contrôle sur ses enfants, sur son épouse, sur sa maison, sur ce que vous voulez, il peut comprendre, ça l'énerve. Perdre le contrôle sur un esclave, c'est inimaginable. Alors il lui reste quoi? Il lui reste la torture. Et là, le Coran est en train de leur dire, oh vous les compagnons, vous allez être torturés. Quraysh va perdre contrôle de colère. Et quand ils vont perdre contrôle, vous allez être torturés. Ils vont devenir violents. Et là, il y a une leçon pour nous. Regardez ce que les anciens magiciens qui sont devenus des croyants disent lorsqu'ils les menacent de les torturer. Qalu la dayr. Il n'y a pas de souci. Tu ne nous feras pas de mal. Pourquoi? Nous avons cru en notre Seigneur. Ils se sont projetés dans l'akhirah. Ça, c'est la cinquième leçon. Quand toutes les portes sont fermées, quand il n'y a plus d'issue,
quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es au fond du trou, rappelle-toi d'une chose. Tu n'as pas été créé pour vivre ici. Tu as été créé pour vivre là-bas, dans l'Akhirah. Alors replace ton espoir dans l'Akhirah. Tu avais des ambitions dans cette vie ? Ma'lish, on va tous mourir. Tous les jours, les gens y meurent. Il y a des enfants qui meurent, il y a des jeunes qui meurent, il y a des vieux qui meurent, on meurt tous. On passe notre vie en pensant que notre vie est éternelle, mais la vie, elle passe en un clin d'œil. T'as 20 ans, tu penses que t'es jeune, demain t'as 30 ans, demain t'as 40 ans, demain t'as 50 ans, demain t'as 70, 80, 90, demain t'es mort. Et ça, c'est pour ceux qui vont jusqu'à 80. Mais il y en a qui meurent à 20 ans, à 50 ans, à 30 ans, à 35 ans. Alors, est-ce qu'il vaut mieux investir dans cette vie qui va se terminer en un clin d'œil ou investir dans l'Akhirah ? Les sorciers, lorsque toutes les portes se sont fermées et qu'il n'y a plus que tu choisis Allah ou la torture, ils ont choisi l'Akhirah. Tue-moi, c'est pas grave. Je vais me ressusciter juste après et je vais vivre éternellement dans un bonheur infini. Bilal, lorsqu'on l'a torturé, Ahadun Ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc le cinquième conseil que je me donne et que je vous donne, c'est connectons-nous à la vie de l'au-delà. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on fait dans cette vie doit avoir comme ambition de construire notre vie éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette vie éternelle auprès d'Allah, c'est une source de motivation tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, je me réveille le matin, le paradis, voir Allah, être en compagnie du messager sallallahu alayhi wa sallam, doit être une source de motivation pour moi. Et cette source de motivation, si je l'entretiens au quotidien, les jours où tout va mal, eh bien, elle me permet de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Elle me permet de relativiser. Elle me permet de dire, c'est pas grave. Cette vie, elle est éphémère. Et même si j'ai pas tout ce que je veux dans cette vie, alhamdoulillah, je ne vis pas pour cette vie. Je vis pour l'Akhirah. Et là, je suis capable de relever la tête. Là, je suis capable de faire face à Fir'aoun. Ce qui a permis à des gens de se lever contre le pire des tyrans de l'humanité, c'est leur foi dans l'Akhirah. C'est leur vision de l'Akhirah. Je suis dans un autre monde. Je ne vis pas pour ici. Et vu que je ne vis pas pour ici, fais ce que tu veux, ya Fir'aoun. Moi, je me lève, je suis debout. Et ma parole, c'est une parole juste et claire. Et je dirai toute ma vie la vérité. Et si j'œuvre pour le bien, jamais je ne sacrifierai le bien, ni mes valeurs, ni mes principes pour la dunya. Pourquoi ? Parce que moi, je vis pour l'Akhirah. Et je suis capable d'être debout et de te le dire face à face. Comme Bilal a été capable de se lever et de dire « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah » devant Umayya ibn Khalaf, alors qu'il était en train d'être torturé. Cette force-là qui permet de déplacer des montagnes, c'est la foi en l'Akhirah et l'espoir de l'Akhirah. Alors essayons de tous le garder, incha'Allah ta'ala. Je vous invite à lire la suite de la sourate, à faire l'exercice qu'on a fait un petit peu ensemble là, à vous mettre dans la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la peau des compagnons, et à vous dire si on m'avait révélé cette sourate, alors que j'ignorais l'avenir, qu'est-ce que j'aurais interprété? Qu'est-ce que j'aurais vu? À quoi je me serais préparé spirituellement? Et vous verrez qu'après, la sourate par exemple, eh bien, invite Sayyidina Moussa à partir. Comme les compagnons auront une première hijra vers l'Abyssinie et une deuxième hijra vers Médine. L'histoire ensuite donne la victoire à Sayyidina Moussa, comme il donnera la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Abu Jahl et sur les autres. Donc Allah envoie des signes et des versets qui sont de la guidance, qui nous permettent de voir dans l'avenir et de préparer nos cœurs et nos âmes et nos esprits à ce que nous allons vivre et à l'utiliser comme une guidance. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous en ce mois béni qui est le mois du Coran
à créer un lien avec le Coran qui est un peu plus que le lien de surface, qui est de juste lire le Coran, mais à prendre le temps de méditer le Coran, de le comprendre et d'en tirer des leçons, des sagesses, des lumières pour notre quotidien. Parce que wallahi, c'est la vocation du Coran, comme Allah le dit, d'être une guidance pour chacun d'entre nous, une lumière pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce dont on a discuté aujourd'hui, en vrai, c'est un travail que je mène là depuis un an, d'essayer de préparer un séminaire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers le Coran, en nous imaginant que on est des compagnons et que chaque jour les sourates sont révélées, et de connecter ces sourates aux événements historiques que vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vivent les compagnons, et de voir non pas la sira comme juste une histoire, comme juste une histoire qu'on raconte avant de dormir, mais de voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une guidance, une somme de versets, une somme de guidance, une somme de scènes que nous avons tous vécues, qu'ils ont vécues, et qu'Allah a envoyé de la guidance chaque jour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc d'en faire notre modèle, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait, ça veut dire que sa vie est le Coran, et le Coran est sa guidance. Donc d'essayer de connecter tout ça, et de voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran, pour en tirer des leçons, et que ce soit vraiment notre uswa, notre modèle. Donc je prépare inshallah un séminaire sur le sujet, un séminaire d'une journée sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran, et j'espère, si Allah nous en donne la force, la santé et le temps, qu'on le dispensera inshallah vers le mois de juin. Donc si vous voulez avoir les informations inshallah, il faut vous connecter soit sur le site de Fikra, soit sur la chaîne YouTube de Fikra, soit sur le Facebook de Fikra, en fonction des affinités, ou la newsletter de Fikra pour recevoir les infos. Mais inshallah, on devrait lancer les inscriptions, je pense, vers la mi-mai, entre la mi et la fin mai. Et j'espère que ce sera entre le début et la mi-juin, inshallah ta'ala, ce séminaire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwa al-ghafurur rahim.